Pour cette deuxième journée, l'espace culturel était encore en pleine effervescence. En effet, plus de 230 personnes étaient présentes mercredi pour faire la fête. L'occasion pour ces personnes âgées de se retrouver pour la nouvelle année et de passer un agréable moment tous ensemble autour d'un bon repas. Tout le monde a pris du plaisir, que ce soit en mangeant, en discutant ou en dansant. Image. Thank you.
Comme toutes les années, ces repas sont aussi l'occasion de célébrer les anniversaires et de faire un petit clin d'œil au doyen et à la doyenne de la journée. Mercredi, aucun ancien n'a soufflé ses bougies. En revanche, M. Barthélémy a souhaité faire une surprise à Marlène Locane, conseillère, en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Ensuite, ce fut au tour du doyen et de la doyenne de la journée de recevoir un hommage tout particulier. Ce mercredi 11 janvier, ce sont Madame Schaeffer-Augustine pour ses 95 ans et M. Butcher-Aloïs pour ses 89 ans qui ont été mis à l'honneur. On leur souhaite donc à tous une très bonne année 2006 et nous vous donnons rendez-vous lundi pour la diffusion des deux derniers jours des repas des anciens.